bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des aventures de God of War. La dernière fois on avait réussi à hériter des pouvoirs de Zeus, et on avait réussi à sauver l'oracle, qui du coup nous a permis de rien du tout pour l'instant, exactement. Ouais. Du coup, bah, on est parti dans l'autre chemin, étant donné qu'on est revenu en arrière. Je comprends mieux. Du coup, la porte, normalement, elle était fermée. Donc, de toute façon, même si je serais venu ici la première fois, il n'y aurait strictement rien eu. Et ça, c'est la marque de l'oracle. D'accord, donc sauver l'oracle permettait d'ouvrir cette fameuse porte. Ok, je comprends. Des airs, des âmes perdues. Je sens déjà que ça va chier là-dedans. C'est pas possible qu'il se passe quelque chose de bien. Allez, on avance, mon coco. Ah. Kratos, le voyage qui vous attend est dangereux. Mais vous devez le mener à bien si vous voulez parvenir à sauver Athènes. L'oracle a mentionné la boîte de Pandore. Existe-t-elle? La boîte existe. C'est l'arme la plus puissante qu'un mortel puisse utiliser. Et avec une telle arme, je pourrais vaincre Arès. Avec la boîte, les possibilités sont immenses. Elle est donc bien cachée, très loin dans le désert des âmes perdues. Il existe un passage sûr dans les sables mortels, mais seuls ceux qui entendent et suivent le chant des sirènes le trouveront. Vous devez suivre les sirènes, Kratos. Elles seules pourront vous guider à Kronos, le titan. Un titan en vie? Kronos est le dernier. Zeus lui a ordonné d'errer dans le désert, éternellement, le temple de Pandore enchaîné sur le dos, jusqu'à ce que les sables tourbillonnants arrachent toute la chair de ses os. Suivez bien le chant des sirènes, Kratos. Votre voyage commence ici. Priez pour qu'il vous ramène à Athènes, avec la boîte de Pandore. Suivez le chant des sirènes, trouvez-les et détruisez-les toutes. Ouais. Le chemin dans les sables mortels s'ouvrira à vous. Oui. Quoique le mec, triste destin, putain. Il faut qu'il erre sans but, à quatre pattes, jusqu'à ce que le sable le dévore, quoi. Non mais... Waouh. Ça se trouve, le mec, il a strictement rien demandé, il était là tranquillement en train de faire sa vie, et puis là, il fait « Ta gueule, putain !» Tu fais ça et c'est tout. Yes. Bon, c'est chiant leur fait ce désert éternel là. Elle est où la fin? Ouais. Y'a rien. Ah putain, je sens que je vais tourner en rond pendant 20 piges. J'ai horreur de ça. Bon, oui. Alors, c'est pas que je vous aime pas, mais j'aimerais en fait trouver mon chemin. Tout simplement en fait. S'il vous plaît. Peut-être en sautant, j'ai une meilleure visibilité. On dirait qu'il y a un truc au fond. Ah, c'est la limite de terrain, tout simplement. Ok. Oh non. Oh, il y a des coffres. Oh, ils sont sérieux. Oh non, c'est-à-dire que si ça se trouve, je vais louper des plumes ou je sais pas quoi. Ah, par contre, apparemment, on a trouvé. Ok, une constellation décore la porte. Il y a trois encoches à l'emplacement des étoiles. Ouais. Le chant de sirène, elle est là. Ah bah, elle est là, la meuf. C'est une sirène, ça? Putain, mais elle est moche! Ah, putain, ma vie, bien joué. Bien joué! Yo! Connasse, va! Bouffe, bouffe! Non, ça pue la merde, qu'on soit que dalle comme dégueu, là. Punaise. Ça me fait perdre masse de points de vie! Elle me tape des esquives! Non, mais j'y crois pas! Allez, là! Mais elle se casse, hein, mais... Tu vois pas que je suis en train de me battre contre toi, là? Non? Ah, nickel. Vas-y, pète-la en deux, là. Oh, il le fait en plus. Ouais, allez, hop. Rentre dans la porte, là. T'inquiète. Bon, il y a Athéna, là. Oui. Merci. Je connais la chanson. Pas besoin de me la rappeler, où je trouve ces putains de sirènes. Dans ce putain de désert. Yes, je suis heureux. J'entends strictement pas leur chant en plus.
Ah, ça c'est le truc qui va durer 20 minutes là, sérieux. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est d'abord tuer toutes les sirènes et ensuite on se retrouvera devant la porte. Allez, là je te casse en deux, connasse va. Putain. Oh, mais c'est horrible ce truc là. Ça fait déjà 10 minutes que je suis dessus, sérieux. T'as pas trouvé 3 sirènes là. Ouais. Yes. Un nouvel endroit. Ouh, une sauvegarde. Ouh. Oh, je me casse, mais alors direct là. Bon, du coup, j'ai trouvé quelques coffres. Peut-être pas tous, mais bon, j'ai la flemme de absolument tout chercher. Sachant que je sais absolument pas où est-ce qu'ils sont. Bah, les couilles. Yes, tout ce que je veux là, c'est continuer l'aventure. En sauvegardant. Très important. Tac, et du coup. Oh, tu prends sauvegarder. On s'en fout, ça casse 1000 sauvegardes. S'en bat les couilles, ça change strictement rien. Hop. Vie, magie, oui. Je vois. Ah, bah, de toute façon, j'en ai deux, donc c'est parfait. Ça me remonte tout. Là. Oui. Plein gaz. Par contre, j'espère qu'il n'y aura plus de sirène. Parce que là, c'est vraiment. Ces meufs, elles étaient mes casse-couilles, quoi. Elle esquivait tes couilles, elle te balarguait des putains de foudres. Dans ta gueule là. Us. Ouais. Maintenant. Ah. J'ai de l'autre côté. Ouais. Ah, c'est pas le bon passage. C'est un coffre? Non. Ah, y'a un coffre en tout cas. Ah, sérieux. Non. Ouais, non. Là, l'autre. Là. Boum. Nickel. Au moins, ça dégage. Y'a peut-être un deuxième plus loin. Ah non, y'a plus rien. Faut juste que je pousse le premier au fond. Merde. Allez. Allez, bloqué. Quoi? Ah, c'est pas ce qu'il faut faire du coup. Ah bah je pense savoir du coup, faut le ramener de l'autre côté. Non. Non, pas ça. Ouais, je pense du coup que c'est ça. Allez, plus qu'un dernier. Allez. Wow. Non. Non. Mais putain de monstre de merde. Vous me faites chier. Putain, tout recommencer là à cause de ces deux cons. J'y crois pas. Allez. Putain, le mec, t'as une force circulaire normalement là. Là. Super. Yes. Allez, où est-ce que ça nous mène maintenant cet endroit là? On va à la boîte de Pandore. Quoi? D'où ça n'a pas marché? Non mais n'importe quoi. Là. Voilà. De toute façon, s'il y a des monstres, je trace. Hein. Pff, pas besoin. Ah, on a déjà trouvé? Le plus grand ouvrage architectural jamais créé. Chronos, le puissant titan, et Arnaché, le temple de Pandore. Enchaîné sur le dos. Ouais, ok. Bon, ça, je m'en fous. Et maintenant? Ouh. Ah, c'est pour l'appeler, ça. Oh, mais c'est Moïse, d'accord. Ah, c'est merveilleux, ça. Ah, c'est quand même bien fait, en fait. Hein. C'est joli. Bon, on peut se prendre le sable. Ah non, ça fait vraiment un mur, quoi. Eh ben, c'est un super mur. Magie. Il y en a tout le temps besoin de magie, c'est un truc de fou, ça. Ça me pompe. Ah, et ça, c'est pour l'appeler, ça. Yeah. Par tous les seins. T'avais demandé une seule chose, c'était pas de plus croiser ces sirènes. Et qu'est-ce que j'ai? Les sirènes.
Est-ce que je peux les pétrifier? Non, elles sont trop rapides, c'est la merde. Alors, ce qu'on va faire, c'est... là. Encore. Voilà. Non, il y en a d'autres. Oh non. Ah, oh, je me suis fait baiser. Je pensais qu'il allait en avoir que 3. Oh, déjà que une à la fois, j'en chiais, mais alors là... Oh, par contre, elles ont moins de points de vie, clairement. Ah oui, il les casse pas en deux comme les autres. C'est pas les mêmes sirènes. Ah. Mais putain. Elles font même pas les mêmes attaques, elles faisaient pas ça, là. Putain, j'ai déjà perdu tous mes points de vie, Yes, yes. Allez. Meurs. J'ai pas le temps d'appuyer sur triangle. Oh là 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 là. Je veux le truc de Sparte là. Allez. Encore, encore, encore. Vas-y, continue. S'il y a que ça qui marche, bah fais-toi plaisir. Hein. Allez. Non, non, non. Putain, mais enchaîne. Comment voulez-vous que je joue si je peux pas bouger? C'est pas croyable ça. Ah mais je vais mourir. Super. Allez, s'il vous plaît, dites-moi que c'est la fin là. Oui, normalement il en reste plus qu'une là. Mais regardez comment elle esquive, mais c'est pas possible. Espèce de connasse, va, sale pute, va. Ah bah non. Ouais non, moi j'ai pas rien à faire. Ouais vas-y. Kratos qui vend son cul à une sirène. Yes. Vas-y, pique-lui la gueule. Vas-y, défonce là, putain. Mais pourquoi il y en a d'autres encore qui viennent? C'est pas possible. Oui. Allez, meurt. Yes, yes. Nickel. Enfin fini. Ah non, toujours pas. Ouais. Elle attend le moment où je charge mon bouton, putain, pour m'éclater ma race, quoi. Yes, enfin. Ah, on va pouvoir appeler Kronos, du coup. Yeah. Quelle belle mélodie. Vas-y, ramène-moi ton petit cul ici, là. Yes. Kronos, le dernier des puissants titans, émergea des sables du désert. Sur son dos, le temple de Pandore attendait, massif et patient, prêt à défier tous ceux qui convoitaient son trésor si bien protégé. Pendant 3 jours, Kratos escalada les parois abruptes de la montagne. Il savait que son destin serait de récupérer la boîte de Pandore ou de mourir dans le temple maudit, sans jamais revoir le monde des hommes. Enfin atteint la montagne. Par contre, ils sont marrants, il y avait un soldat à côté. C'est-à-dire que le soldat, il a réussi à venir jusqu'ici. C'est un bon, hein. Il est même très très bon, ce con, putain. Et normalement, il mérite, hein. Vas-y, sérieusement. Le mec, il est venu jusque-là. Là, là, regardez, sous son cadavre, il est là, là. Putain, c'est un beau gosse, celui-là. Il mérite, temple de Pandore. Ah, on y est, ça y est.
Putain, c'est immense. 3 jours pour escalader ça. Putain, il a été rapide, hein. Yes. Ah, je vois les ennemis au fond. Ah non, ça n'est... il y a encore des vivants. Non, ça... non, c'est un monstre là, qui le transporte là. J'en ai aucune fucking idée. Bah, vie. Ah, j'aurais dû prendre la magie, tant pis. C'est pas grave. Alors, il faut que je puisse ouvrir cette merde. Mais, on m'en empêche. Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve un putain de mécanisme qui se trouve absolument je ne sais où. Voilà, c'est magnifique. Il faut que je descende. Ah, il faut faire le tour pour avoir accès à l'autre côté, non? Bah, c'est quoi ça? Des portes? Ok, non, c'est nul. Ça, on s'en fout. Oui, donc on peut bien faire le tour, ok. Pour monter en haut, et du coup, normalement, on pourra péter la gueule du soldat qui est en train de traîner l'autre. Ah. Ouais. Ah, c'est bon, ça suffit, là. À moins qu'il y a un truc qui fait que ça retourne tout seul. Ah, j'aurais été sûr. Punaise. Non. Oh oui. Oh, c'était limite. Oh. Ainsi, vous pensez pouvoir conquérir le temple des dieux, c'est ça? Oui. Cela n'a jamais été fait. Tôt ou tard, les harpies me ramèneront votre dépouille pour que je la brûle. Les dieux ont caché la boîte de Pandore ici afin qu'aucun mortel ne s'en empare. Pourtant, chaque année, j'ouvre la porte à toujours plus de soldats et je place toujours plus de cadavres sur ces bûchers. À votre place, je partirai. Mais je vois que vous êtes déterminé. Très bien. Que les dieux vous confèrent la force de surmonter les dangers qui vous attendent. Bonne chance, Spartiate. Eh ben nickel, on peut monter, mais c'est parfait ça. De toute façon, on s'en bat les couilles. Ça c'est bon, on l'a déjà fait. Et on peut rentrer. Oh non. Vite, rentre. Je vois pas que la porte elle est encore scellée là. Non, la porte elle est scellée. Oh punaise. Sérieusement. Vous abusez les gars. Oui. Ah putain, une grosse tarte. Oui, esquive. Ah, la méduse ça marchera pas là-dessus là. Wouah, il fait mal. Ah, mais d'accord, comme un con, j'appuyais même pas sur cercle. Merde, j'ai plus assez. Wouah. Ah, mais je me prends des coups. Ah d'accord, même me protéger ça marche même pas quoi. Ok, pourquoi pas hein. Ouais carrément. Allez. Punaise, j'ai soufflé mon truc de spartiate là. Yo, na. Yes. Oui, dans les burnes. Yes. Non, je suis loupé. Putain, mon doigt il a ripé. Ouais, c'est bon, crève. Oui. Allez, cette fois-ci, je me foire pas. Yes. Ah non, cette fois-ci, par contre, non. Ah, je me suis pas loupé cette fois-ci. Oui. Bon, ça va marcher tout à l'heure. Un coup dans le potage. Est-ce qu'il y en a un autre encore? Oui, il y en a un autre. Ah non, c'est même. Oh bah si c'est le dernier, je vais pas utiliser mon truc de Sparte alors. Je vais juste le faire. Éclaté. Yeah. Putain, tu me mets la pression. Allez, meurs s'il te plaît là. Il reste plus grand chose.
Oui, oui. Oui, c'est bon. Fini. Fini. Oui. Dernier. Allez. Oh, nickel. Ouais, enfin. Oh oui. Super. Allez, maintenant la boîte de Pandore. Je la veux. Elle est à moi. Et à moi seul. Magie. Oh oui. Allez, un œil. Oh, pas grave, l'autre côté. Un œil de l'autre côté. Oui. Un œil. Oui, plus qu'un. Yes. Et là, on sera pas trop mal. Cric, crac. Allez, Sésame, ouvre-toi. Allez, c'est parti. Ouh, c'est joli l'intérieur. Par contre, genre, c'est tellement propre qu'on se voit à travers, quoi. Oh non, pas eux. Ah. Éclair, éclair. Oui, 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 oui. Oui. Et il meurt toujours pas. Allez, on va refaire une fois, là. Ah, j'ai regagné de la magie. Cool, cool. Allez, plus que deux. Et après, il restera plus que les archers. Toujours pas mort. Mais non. Oh, merde, il y en a d'autres. Non, l'autre. Ah, putain, c'est que de la magie. Ah non, c'est que de la vie, plutôt. Ah, fuck. Vas-y, viens là. Nickel. Il a seul mettre un coup. Ouais, toujours plus. Je peux pas lutter, ils sont trop puissants. Ok. Je me prends des coups, je suis heureux. Au final, je trouve que je vais vraiment avoir besoin de cette caisse de vie. Oh putain, j'aime pas la jouer comme ça là. Putain, défense, juste tu fais toujours la même touche là. Nul. Putain, mais pas possible. Mais il esquive, il me remet. Putain, c'est incroyable. Crève. Voilà. Non, avant, j'ai d'autres choses à faire avant. Comme récupérer de la vie. Parce que là, je suis un peu dans la merde. Là, tu me remets le même combat, là, je suis pas bien. Là. Ah, je suis pas bien du tout. Et je suis seulement en difficulté normale. Yes. C'est quoi ça? C'est une gravure de la déesse Athéna. Ouais, parce que ça fait de la jolie déco, ouais, pourquoi pas. Hein. Et là, maintenant, il y a quoi? Alors, sur le levier... Non, sur le levier. Sur le livre est écrit. Ce temple fut érigé en l'honneur et sur l'ordre du puissant Seigneur Zeus. Seul le plus brave des héros résoudra ses énigmes et survivra à ses dangers. Un homme recevra la puissance ultime. Les autres trouveront la mort. Pathos Verdes III, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Ok, et maintenant du coup, on peut ouvrir ça? Yeah. Oui, on a compris, allez hop. Pandora, non? Boîte de Pandore? Un truc comme ça, je pense que c'est écrit. Ouais. Les anneaux de Pandore. Ah! Pourquoi un truc comme ça? Où est-ce qu'il faut que j'aille, là? Ouais. Regarde, la porte semble verrouillée. Il y a un trou en forme de crâne dans la porte. Ah, moi, je vois un truc fissuré. Moi, j'ai envie de le péter, moi, c'est tout. Ah! On a déjà fait un tour? Ah, non. Oulala! Oulala! C'est pas du tout le même endroit en fait! Ah ouais, c'est tout de suite quoi, c'est immédiat! Bon, ça va, je meurs pas d'un coup, ça va. Bah. Oh non, sérieusement, des archers en plus! Ils sont où là? Ils sont où? Allez hop, tu dégages! Je me fais les 4 et après on enregistre! Yes! Quoi? Non mais. Toujours plus! Dégage! Merci, au revoir. Hop. Oh bah parfait. Alors, dis-moi que là-dedans, il y a un œil. Non, il n'y a pas d'œil, dommage. Boum. Boum. Allez, je vous fends le cul en deux. Oui. Allez, hop, merci. Non, 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 trop tard. Bon, c'est pas grave, le plus important, c'est qu'il soit mort.
Et là, on va sauvegarder. Oui, oui. Yes. Bah ça va, on a pas mal avancé là. Nickel. On trouve la boîte de Pandore. On retourne en arrière, on va tuer Hadès et puis ce sera fini. Hein. Normalement, j'espère. Ouais, ouais. Du coup, je pense que nous, on va s'arrêter ici. Hein, parce qu'il y a d'autres affaires. On va retourner sûrement avec le truc de crâne. Et là, le levier. Ah ah. Et on fera ça du coup la prochaine fois. Sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'aventure de God of War. Passez une très bonne soirée. Au revoir.